mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes là pour suivre notre manager, le coach de l'équipe nationale, Rigobert Song, qui va donner la liste des joueurs qui iront au Qatar. Merci bien. Vous allez garder vos questions. À la fin, vous allez les poser. Merci bien. Bonsoir d'abord à tout le monde. Je suis très content d'être ici ce soir parmi vous pour vous distribuer la liste tant attendue pour le Qatar 2022. Et alors, nous allons commencer avec la liste. Comme gardien de but, nous avons eu 26 joueurs sélectionnés pour aller au Qatar. Comme gardien de but, nous avons André Onana et nous avons aussi Ipassi, Dedi Ipassou, Ipassi, Dedi Ipassou. Nous avons aussi, comme gardien, nous avons Ipassi. Nous allons aller en défense, nous avons Faye Colli, qui est notre défenseur. Nous avons Ndolo, nous avons Olivier Mbaizo, nous avons Castelistos, je ne suis pas quand même leur parent. Nous avons Christopher à la liste. Comme milieu de terrain, nous avons Ongouet. Nous avons aussi Martin Onla. Nous avons Gaël Ondoa. Nous avons Zambo Ambissa, bien sûr, que tout le monde attendait. Nous avons Koundé Malon. Nous avons Olivier Tchakba. En tout cas, c'est ça. Comme attaquant, nous avons Abaka Vincent, nous avons Tenions seulement. Nous avons Nzami, nous avons Kodo, nous avons Muminga Male, que tout le monde connaît, étant revendiqué. Nous avons Toko Ikami, nous avons Chupomoti, nous avons Soubiabou. Nous avons Bassogop qui a longtemps manqué à cette liste. Nous avons Gom et c'est terminé pour la liste des 26 sélectionnés pour le Qatar. Et donc nous sommes contents vraiment. Je pense que nous allons ramener le trophée. Comme ma maman me disait toujours, je suis très content, ça c'est une autre théorie. Mais je vais sortir la belle théorie à la fin, vraiment. Vous allez voir de quoi nous sommes capables. Merci. Ok, chers spectateurs, vous avez la parole. Nous ne sommes pas contents. Monsieur l'entraîneur, nous ne sommes pas contents. Comment vous pouvez partir avec Bassoko au Qatar? C'est pour faire quoi? Supporter quel drapeau? Je vais revenir à votre question. Pourquoi est-ce que j'amène Bassoko au Qatar? Je ne fais pas la liste tout seul. Nous avons le staff technique. Et nous travaillons nous tous sur cette liste. Sur cette liste, autant pour moi. Bassoko a joué des doubles matchs contre la confrontation. Et là, nous sommes contents de lui parce qu'il nous a ramené la canne. On espère encore voir ce qui va se passer après. Donc, merci. Oui, madame la journaliste. Monsieur le coach, vous avez promis que Gamale devait être de la partie. Mais nous sommes très déçus. Qu'est-ce qui s'est passé également, dit? Vous avez vu qu'il y a son remplaçant. Parce qu'on teste tout le monde. Nous avons vu son remplaçant jouer du côté de la Croatie, en tout cas, il joue là-bas. Et pardon? Non, je pense bien que lorsqu'on prend Google pour mettre nous,
cela veut dire ce que ça veut dire. Donc vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Continuez, on n'a pas le temps, mais non, excusez-moi. Je ne comprends pas, c'est pour cela qu'on demande. Lorsqu'on prend un verre d'eau pour mettre dans un gobelet, on va toujours se retrouver que cette eau est finie. Monsieur c'est une des théories, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur l'entraîneur, ça peut se faire au Cameroun. Soyez toujours champion. Vous attendez.